Au mois de janvier, j'ai sorti une vidéo sur le Raspberry Pi de la marque Cubi. Et suite aux commentaires, j'ai décidé de vous faire une vidéo tuto pour vous montrer comment installer ce petit bijou. Coucou tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer et configurer votre Raspberry Pi. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque nous allons jouer un petit peu. D'abord, il faut installer Recalbox. Mais Christo, c'est quoi Recalbox? C'est un émulateur, donc c'est ce qui va te permettre de pouvoir jouer aux jeux rétro. On prend la carte micro SD qu'on branche donc dans l'adaptateur SD. Et puis, on va l'insérer donc sur son ordinateur. Maintenant, on se retrouve sur mon ordinateur. Donc, on va commencer par aller sur le site Recalbox. Alors, le lien sera dans la description. Et on clique sur Download. On choisit donc de télécharger Recalbox pour le Raspberry Pi 3 ou Pi 3 pour les Anglais. Alors ici, donc, j'ai pas besoin de formater la carte SD en fait, car elle est déjà présente dans le gaming kit en fait de Cubi. Mais par contre, si vous prenez donc une autre carte SD que vous avez déjà utilisée, alors je vous conseille fortement de la formater en FAT32. Donc c'est très simple et très rapide. Donc il suffit de faire un clic droit sur votre carte SD et puis de faire formater et vous sélectionnez donc le format. Donc ici, ça sera en FAT32. Une fois le téléchargement terminé, on se retrouve avec un format fichier zip. À ce moment-là, il suffit de le décompresser. Donc c'est super simple. Alors moi sur Mac, donc il faut juste double-cliquer sur le fichier, et sur Windows, donc il faut faire un clic droit pour pouvoir décompresser. Bon, on sait tous faire ça. Après, on copie-colle l'ensemble donc des éléments du dossier décompressé tels qu'ils sont donc sur notre carte micro SD. Alors, ne faites pas de sous-dossier ou ne cherchez pas à ranger donc les fichiers. Ça c'est important. Et on reprend donc la carte micro SD et on l'insère donc dans le Raspberry. Pour terminer, donc on branche le Raspberry et on laisse l'installation donc se faire. Et ça peut prendre de 2 à 8 minutes environ. Maintenant, on va voir comment installer un jeu. Pour commencer, il faut que le Raspberry Pi soit bien connecté à Internet, soit par un câble Ethernet ou par Wi-Fi. Ensuite, il faut aller sur des sites qui mettent en ligne les fichiers contenant les jeux, et tout ça gratuitement. Alors, je vous ai mis quelques liens en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker, ça peut être super intéressant pour vous. Et pour cet exemple, je suis allé donc dans les jeux Game Boy, car je voulais trouver donc un jeu Pokémon. Voilà, super important pour moi. Et ici, donc j'ai choisi la version or. Alors, il suffit de télécharger le fichier, d'aller donc dans le dossier Share, puis dans ROM. Alors, bien suivre. Trouver dans le dossier donc Game Boy, alors ici il s'appelle GBC, c'est l'abréviation. J'avais donc déjà mis Pokémon version argent. Et voilà, je n'ai plus qu'à faire glisser en fait mon fichier dans le dossier ou de copier-coller, donc c'est pareil de toute façon. Et hop, voilà, le jeu est directement disponible et bien sur mon Raspberry Pi. C'est vraiment pas compliqué, c'est même assez rapide, donc ça c'est vraiment cool. J'ai reçu une deuxième manette, donc ça c'est super bien, en plus elles sont de bonne qualité. Et on va tester ça tout de suite avec Dimitri, à mon avis avec Mario. Nous avons donc une manette et on va jouer à Mario Kart. Juste avant, on va voir rapidement donc Game Boy Advance. Au niveau des jeux, nous avons rajouté donc Pokémon version argent, Pokémon version or. On va aller directement jouer à Mario Kart. Mario Kart 64. Il y a aussi Mario Party 3 que j'ai installé, donc petit à petit on va installer les jeux. Ça pourrait être vraiment sympa ça aussi. Voilà, j'ai pris un bon départ. Putain, ça fait bizarre. Oh. Non, ça va. Oh là 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 là. Hop, au niveau des virages. Alors. Et oh, puis, je suis chaud. Ouais, il y a aussi d'autres jeux, donc on a mis Pokémon. Enfin bref, il y a un tas de jeux qui est disponible. Oh purée. Franchement ça c'est pour se détendre et tout, ouais. C'est parfait. Après une journée de boulot ou quelque chose comme ça, c'est ah trop bien. En plus on peut au niveau des virages là. Hey, il y a des bombes et tout. Tu m'as lancé un truc. Là il y a des bombes et tout. Hey, tu m'as dépassé. Waouh, ça va trop vite. Faut que je mette tes lunettes. J'arrive pas, mes yeux déconnent. Non. Oh la fin. Je suis passé. Oh attends, c'est un truc qui est... Allez, accélère petit bonhomme. Je me suis pris la bombe. Mais non. Oh, j'ai gagné, j'ai gagné. Oh, la victoire est passée. Ara. Bien joué. Ara. Bien joué. Je vais te serrer la main. Oh là là, ouais, mais là franchement ça va faire bizarre. Parce que là il est plus dur celui-là. Là, sur ce... Attention. Oh, oh. J'ai loupé. Ah, imagine comme ça tu joues à 4. Ça doit être énorme. Comme ça, ça doit être génial. Ah voilà. Oh, tu te l'es pris. Ouais.
Boum, merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller regarder leur site internet, Cubi, c'est une start-up lyonnaise. Et puis tu sais quoi, continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer.